Mystère du livre. On va aujourd'hui te parler d'une nouvelle œuvre culte, à savoir... Métaphysique d'Aristote. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui c'est Stendhal. Alors c'est parti pour Le Rouge et le Noir, publié en 1830. La vérité, j'aurais préféré Dragon Ball Z, hein. Et avec ce grand classique, oh toi qui n'as jamais ouvert un livre de ta vie, tu vas avoir le bac, Coco. Vite fait, bien fait. De son prénom Marie-Henri Bayle, Stendhal est né à Grenoble en 1783. Il meurt 59 ans plus tard d'une hémorragie cérébrale. Le frérot à l'époque, il valait mieux pas cotiser pour la retraite. Hein. Stendhal est donc un écrivain français connu pour deux romans. Le Rouge et le Noir et la Chartreuse de Parme, bébiche. Le pauvre enfant subit une jeunesse étouffante auprès d'un père qu'il méprise et souffre de la mort de sa mère qu'il adorait. Stendhal se réfugie alors dans la littérature et quitte Grenoble à l'âge de 16 ans pour aller étudier à Paris. Et là, en vrai gros rebelle, il plaque tout pour sa nouvelle vocation. Comic bar, bébé. Et moi, mon frère, le caméra, il décrit des comédies tranquilles, t'as vu? Mais Dieu merci, ses cousins voient venir le danger et le force à entrer au ministère de la guerre. Ni une ni deux. Le jeune Stendhal est envoyé comme sous-lieutenant à Milan, en Italie. Timide et romanesque, il découvre alors émerveillé. Le sexe, la drogue et le rock'n'roll. Ou plutôt, l'amour, l'opéra et le bonheur. Et aussi, la guerre. Mais accusé de sympathie auprès des Carbonari, notre grand romantique est finalement expulsé hors de Milan. Pire encore, il est ruiné par la mort de son père. Du coup, en vrai, il retourne à Paname et là, il traîne trop avec la jet set des salons littéraires et publie son premier roman, Armance, en 1827. Le Rouge et le Noir sort 3 années plus tard et sera d'ailleurs influencé par la révolution de juillet 1830. Nommé consul en Italie, ce grand voyageur, observateur attentif de son époque, est un amoureux de la vie. En perpétuelle quête du bonheur. Le pitch. Fils d'ouvrier, Julien Sorel est le héros parfait. Il est beau, intelligent, ambitieux et fan inconditionnel de Napoléon Bonaparte. Malheureusement pour lui, Julien hérite du mépris de son père, qui pense que seul compte la force physique. Et qui estime que l'esprit n'a aucun intérêt. Toujours est-il que Julien est ultra motivé et veut se faire une place au soleil. Dans la première partie du roman, il ne se laisse pas abattre par la bêtise de sa famille. Et si sa condition sociale l'empêche de devenir militaire, il choisit une première tactique de survie. L'église, mon chaton. Oh, le jeune Sorel devient alors le chouchou d'un abbé qui l'invite à un séminaire. Julien est alors recommandé à Monsieur de Rénal, le maire du village, qui lui propose de devenir le précepteur de ses mioches. Et là, c'est... Wouah ! Gigi découvre tous les bourges de province. Mieux encore, il se tape Louise, la femme du maire. J'adore. Mais quand une lettre anonyme trahit leur adultère, notre héros prend ses clics et ses claques. Qu'est-ce qu'il la province était devenu trop dangereux pour lui, la vérité. Hein. De nouveau protégé par un abbé, notre jeune héros se voit proposer un poste de secrétaire auprès d'un grand aristocrate parisien. Le marquis de la Mole. Avec le nom, ça fait rêver. Hein. Et c'est ainsi que débute la seconde partie du roman qui verra notre héros tenter l'ultime ascension sociale. Intégrer la royauté pour devenir noble. Sauf que là, rebelote, le mec il est inarrêtable. Il se tape la fille du marquis et boum, il la fond là. Et ça marche. Nom d'une merde en mousse. Le marquis de la Mole n'a plus le choix. Il fait de Julien un chevalier et le nomme lieutenant des hussards. Et là, que tu penses que tout va bien, mais qu'en vrai c'est la grosse galère. Car Louise de Rénal apprend la nouvelle et, verte de jalousie, décide de dénoncer au marquis l'ambition de son ancien amant. À la fin, les deux meufs lui pètent les couilles. Du coup, Juju, il tente même de buter Madame de Rénal. Sauf qu'il se loue, c'est malheureux. Louise et notre héros réalisent trop tard la force de leur amour, car Julien finit par se faire couper la tête. Hashtag, gros spoil dans ta face, mais qu'en vrai que c'est pour ton bien. L'heure de la vérité. C'est incontestable. Grâce à sa plume qui met le monde à nu, Stendhal est un excellent conteur et l'un des plus grands romanciers français. Avec Le Rouge et le Noir, il nous offre un roman 4 en 1, bébé. Avant tout, un roman d'apprentissage. Julien découvre la vie citadine, les femmes et l'hypocrisie sociale. Un roman réaliste, inspiré d'un fait divers, l'œuvre de Stendhal peut être perçue comme une chronique de l'année 1830, mais également un roman politique. Car, à travers le regard du jeune Sorel sur son époque, Stendhal dénonce les jeux de pouvoir entre l'aristocratie parisienne et l'église toute puissante. Et puis le meilleur pour la fin, un roman de Big Big Love. En effet, Julien accède à l'amour véritable par le crime.
crime. Et même s'il en paye le prix fort, sa trajectoire de vie prend alors tout son sens. C'est en prison que son apprentissage prend fin. Et bien que la réussite ne soit plus possible, le Camille est enfin libre, t'as vu? D'autre part, l'auteur accorde une grande importance aux contractions et à la dualité des thématiques et des personnages. L'église et le royaume, Paname et la province, le réalisme et le romantisme, ou le rouge et le noir. Enfin, et c'est moderne pour l'époque, Stendhal intervient au sein même du roman. Il commente les pensées de ses personnages, souligne la narration et renforce sa position. En portant un regard bienveillant, mais également cynique, voire même féroce, sur la société. Le rouge et le noir a beau aborder des thématiques sociales qui peuvent paraître dépassées, voire même consternantes pour notre génération, c'est la psychologie des personnages et leurs relations amoureuses qui rendent cette œuvre intemporelle et universelle. La phrase culte. Au fait, se disait-il à lui-même, il paraît que mon destin est de mourir en rêvant. Un être obscur, tel que moi, sûr d'être oublié avant 15 jours, serait bien dupe, il faut l'avouer, de jouer la comédie. Il est singulier pourtant que je n'ai connu l'art de jouir de la vie que depuis, que j'en vois le terme si près de moi. Roman plein d'émotions, le rouge et le noir est un récit qui plaira aux grands romantiques. En tout cas, on compte sur toi pour briller devant tes profs. Et pour nous remercier, pense à t'abonner. Parce que maintenant, tu as le book, Coco. À tantôt!